Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 29 juin 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de cette journée. Donc quel est le message? Hop. Alors, on va piocher une carte. Le message pour vous, c'est la carte de la parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ici, on peut nous indiquer que pour cette journée, vous allez vous exprimer. On peut nous indiquer qu'il va y avoir des communications importantes qui vont vous aider à libérer certaines choses. Ça peut être aussi le fait d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort. Alors, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. On va voir les messages et prédictions pour vous. On a déjà la carte du vaisseau qui peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement ou aussi une transition importante qui va se mettre en place. Alors, à la coupe, on a la carte du renard et on a la carte des poissons. Ici, on a un désir d'indépendance. De manière générale, on voit que vous avez de nouvelles idées, vous vous sentez inspiré. Mais on nous indique aussi que vous êtes prudent, prudente par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Et on peut aussi nous parler d'un travail indépendant, peut-être un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'enfant, on a la maison et on a la carte de l'ours. Donc ici, on va nous parler de force, de courage. On voit aussi quelque chose de nouveau qui est en lien avec votre foyer. Mais ça peut être aussi un renouveau par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. On nous indique aussi une stabilité qui va se mettre en place pour vous. On voit aussi qu'il peut être question ici d'une acquisition au niveau d'un bien immobilier. En tout cas, il y a un nouveau départ par rapport à votre foyer. Alors, on a la carte de la croix, on a la carte de la cigogne, on a les oiseaux, on a la verge, le mont, on a le consultant, on a le lys, la tour et on a la carte de l'arbre. Donc ici, on nous parle d'évolution, on nous parle d'ascension dans vos projets. On voit aussi des communications avec une personne. Ça peut être en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des énergies masculines. C'est quelqu'un qui est dans l'action également. Avec la carte de la Verge et le Mont, il y a peut-être eu des conflits, des tensions qui ont créé certains blocages, certains ralentissements. On voit en tout cas qu'il y a une situation qui va progresser et aussi vous allez pouvoir vous libérer des blocages qui étaient présents ou qui sont présents actuellement. On nous parle aussi de démarches importantes. Avec le lys et la tour, ça peut nous parler de démarches administratives, ça peut être aussi en lien avec une procédure. Mais en tout cas, pour cette journée, vous allez recevoir une information concrète concernant des démarches que vous avez entreprises. On a aussi un retour à la stabilité avec l'arbre. Vous allez vous sentir ancré par rapport à tout ce qui vous entoure. Vous allez vous sentir aligné. On voit aussi que vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux défis. Avec le mont, on voit aussi qu'il y a toujours un chemin qui va vous permettre de contourner les obstacles qui sont présents. La croix nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets. Vous avez envie vraiment de vous laisser guider pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place les changements qui vous tiennent à cœur. En tout cas, ici, on voit que vous allez exprimer vos ressentis, vos émotions. Il peut y avoir aussi des communications avec une personne qui est très protectrice, une personne aussi qui a des énergies très maternelles. On voit en tout cas que par rapport à ces échanges, vous allez pouvoir dépasser des blocages. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez vous exprimer dans une situation et ces communications vont être très bénéfiques. On nous indique aussi beaucoup de passion. On voit des énergies très fortes, beaucoup d'attraction envers une personne. On nous indique aussi qu'il y a peut-être un désir de vous libérer de certains schémas répétitifs. En tout cas, vous allez faire preuve de sagesse, de maturité. Vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses.
On voit aussi que vous réfléchissez actuellement pour retrouver un équilibre. Vous avez envie de vous sentir ancré par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte du bébé et on a la carte de la personne mûre. Ici, on nous parle de quelque chose qui est en gestation pour le moment, de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration. Et avec cette carte, on voit aussi que vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir faire preuve de maturité. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un lien qui va évoluer de plus en plus. Ça peut être en lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut aussi représenter une personne de votre entourage. On peut aussi nous parler d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Mais en tout cas, le bébé, c'est vraiment quelque chose qui va grandir, qui va être de plus en plus important. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la porte fermée, on a l'oreille et on a l'amitié. Ici, on voit que vous allez être à l'écoute, vous allez entendre des messages qui vont vous guider. On peut nous parler aussi de clairaudience et on voit que les messages que vous allez entendre vont vous permettre de dépasser les blocages qui sont présents. On nous parle aussi d'une personne ici qui est présente pour vous, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est loyal, mais on nous parle aussi de complicité avec cette personne. Alors, nous avons la carte du surmenage. On a la faux, on a la protection, les ciseaux, l'enfant, les deux cœurs, le coup de fil, on a la maison et on a le oui. Ici, vous vous libérez d'une période de surmenage où il y a peut-être eu beaucoup de fatigue, un besoin de vous reposer, de vous ressourcer. On nous indique aussi une transformation importante. Vous tournez une page dans une situation qui était peut-être bloquée depuis longtemps. On voit aussi que vous allez vous sentir guidé. En tout cas, il y a une forte protection. Cette carte nous indique aussi que vous allez pouvoir avancer sereinement dans vos projets. Il est question aussi d'un lien important avec peut-être votre enfant, un enfant de votre entourage, mais ça peut être aussi un renouveau dans une relation amoureuse où il va être question d'une réconciliation. On voit qu'il y a peut-être eu justement des blocages qui étaient présents dans une relation. On a aussi un retour à la communication, des discussions qui arrivent. Et la maison, c'est aussi une stabilité qui va se mettre en place pour vous. L'enfant va représenter aussi peut-être un nouveau projet, une nouvelle énergie de manière générale qui va arriver pour vous. On nous indique aussi une réponse positive. Alors ça peut être justement un message, une information qui va vous confirmer une réponse favorable. On nous indique aussi des liens qui vont être de plus en plus importants. Ça peut être aussi un rapprochement avec des personnes de votre famille, le fait de faire la paix dans une situation. Avec ce cœur enveloppé ici, on a vraiment une énergie où vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir la protection d'une personne et cette énergie va vous permettre d'avancer aussi sereinement. On voit vraiment que vous vous libérez des blocages ici. Vous vous libérez aussi peut-être d'un surmenage, d'un stress qui pouvait être présent. Vous coupez avec certaines énergies, vous prenez des décisions importantes. Mais les ciseaux, ça peut être aussi le fait de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Il peut y avoir aussi une communication en lien avec un projet immobilier. On a une réponse favorable qui arrive. Ça peut être aussi un nouveau foyer ici avec cette idée d'un renouveau dans votre foyer. Et on voit vraiment que vous allez vous sentir guidé. Il y a une forte protection qui est présente. On a aussi des communications avec des personnes proches de vous, peut-être avec des personnes de votre famille. Et on voit qu'à travers ces communications, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de la Dame de cœur et on a le Valet de trèfle.
Alors ici, on peut nous parler d'une sœur, on peut nous parler d'une amie ou d'une personne qui est très proche de vous. Avec le valet de trèfle, on voit que cette personne actuellement réfléchit, fait le point, mais on nous indique aussi que cette personne a envie de mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, le valet de trèfle peut nous indiquer aussi une personne qui est très présente pour vous, avec cette dame de cœur. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 10 de pique, le 10 de carreau et la dame de trèfle. Ici, on voit pour vous, si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous, un désir peut-être de déménager, de mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, le 10 de carreau, c'est un grand changement qui va arriver pour vous. Le 10 de pique nous indique que c'est un changement très rapide qui va se mettre en place. Vous allez aussi recevoir des informations dans une situation qui pouvait être très mystérieuse où il y avait peut-être des incertitudes. Alors, on a la carte du 9 de trèfle, on a le roi de trèfle, le 7 de trèfle, le 10 de cœur, le 8 de trèfle et le valet, le roi de cœur. Alors ici, on a des démarches importantes qui sont en lien avec votre vie professionnelle. On peut nous indiquer aussi que vous allez mettre en place de nouvelles choses par rapport à votre carrière. On voit aussi des communications, des nouvelles en lien avec votre vie professionnelle. On nous parle aussi de stabilité au niveau émotionnel. On a vraiment beaucoup d'efforts que vous fournissez pour faire avancer les choses. Ici, il est question aussi d'une communication avec une personne qui peut être en lien, qui peut représenter la personne de votre cœur, ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes très proche, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit en tout cas une personne qui est sincère, qui est loyale, une personne qui a beaucoup d'amour à vous apporter. On nous indique vraiment des communications importantes avec cette personne et une stabilité qui va se mettre en place. Le 8 de trèfle, c'est aussi vraiment un désir d'entreprendre des démarches importantes pour concrétiser vos projets. On voit que vous pensez énormément à mettre en place de nouvelles choses. Et ce 9 de trèfle peut aussi représenter des nouvelles concernant une somme d'argent, peut-être en lien avec votre vie professionnelle. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, au niveau amoureux. À la coupe, nous avons le coup de foudre et nous avons la réconciliation. Ici, on a un déclic au niveau sentimental. Vous allez vous sentir aligné à votre destin, à votre cheminement de vie. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre pour une personne ou c'est quelque chose qui va se présenter à vous. On nous indique aussi que vous allez faire la paix avec une personne, vous allez vous réconcilier, mais aussi peut-être que vous allez faire la paix avec une situation en particulier et cela va avoir un impact dans votre vie amoureuse. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la construction. Ici, on nous parle de projet en commun. Peut-être le fait de vivre avec la personne de votre cœur, de concrétiser un projet. Ça peut être un projet immobilier également qui est important pour vous. Alors, on a la carte du masque, on a la carte de la naissance, on a la différence d'âge, la rivalité, le succès, le nœud karmique, le voyage, le désir et on a la rencontre au travail. Ici, on voit vraiment que vous avez envie de faire tomber les masques au niveau amoureux. Il y a peut-être eu une certaine rivalité, peut-être de la jalousie qui était présente, mais on voit vraiment que vous vous libérez de ces énergies et vous êtes à l'écoute de votre cœur. On nous parle aussi de nouveaux projets. Vraiment, avec cette carte, on voit des changements bénéfiques qui vont arriver pour vous. On nous indique aussi que vous avez envie de réaliser un rêve, d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous vous laissez guider intérieurement. On a aussi une passion amoureuse, en tout cas un lien qui est très fort, où vous ressentez beaucoup de désir pour cette personne. On nous indique aussi un voyage, un déplacement qui va être important avec la personne de votre cœur.
On voit aussi peut-être une personne avec qui il y a une différence d'âge, ça peut être une différence de religion ou autre différence. Il y a peut-être eu des nœuds, des blocages karmiques avec cette personne, mais on a bien un changement bénéfique qui va se mettre en place. Ici, on nous indique peut-être que vous avez rencontré cette personne dans votre lieu professionnel, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous allez partager de nouveaux projets. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte du 3 de denier et on a la carte de l'étoile. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui veut mettre en place de nouvelles choses. Et avec l'étoile, c'est quelqu'un qui suit ses rêves, qui a espoir dans votre relation. On voit aussi que cette personne ressent une forte connexion par rapport à vous. C'est quelqu'un aussi qui rêve de vous, qui pense énormément à vous. Mais vraiment, l'étoile, c'est une énergie très favorable où cette personne se sent guidée dans votre relation. On voit aussi que cette personne souhaite vraiment construire, mettre en place de nouvelles choses avec vous. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, nous avons le 3 de bâton et nous avons le roi de bâton. Ici, on a des énergies de feu, donc dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de vous projeter vers l'avenir. Peut-être que vous avez envie de voyager ou de préparer de nouveaux projets pour le futur. Le roi de bâton, c'est aussi un désir d'indépendance, un désir de vous affirmer au niveau sentimental. Mais ça peut être aussi le fait de planifier de nouveaux projets qui sont importants pour vous. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte du diable, nous avons la carte de la force et nous avons le 5 de coupe. Donc pour les personnes célibataires ici, on peut nous parler d'une passion qui va arriver pour une personne. Avec la force, on nous parle de courage, on nous parle de force intérieure. On voit vraiment que vous avez la possibilité de vous sentir guidé pour pouvoir avancer. Le 5 de coupe peut nous indiquer qu'il y a des regrets. Peut-être que vous auriez voulu qu'une situation soit différente. Peut-être que vous repensez à certaines choses. Il y a comme si quelque chose n'était pas complètement accompli dans une situation. Le diable aussi nous indique que vous avez envie de vous libérer d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance et de retrouver votre pouvoir intérieur. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte du roi de coupe, on a la carte de l'as de coupe et on a la carte de l'empereur. Donc, pour les personnes en situation de séparation, avec le roi de coupe, on nous parle de maturité au niveau émotionnel. Peut-être aussi que vous avez du mal à exprimer des émotions qui sont présentes en vous. Il peut y avoir justement le fait de garder beaucoup d'émotions en vous. L'as de coupe nous indique justement que vous allez pouvoir libérer ces émotions, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Mais c'est aussi un renouveau dans votre relation. Avec l'empereur, on voit que vous allez retrouver votre place. On peut nous indiquer justement que vous allez vous sentir aligné dans votre relation. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte du 6 d'épée, on a le 10 d'épée et on a la reine d'épée. On n'a que des épées. Donc, pour les personnes qui sont en couple, c'est une période de réflexion importante pour vous actuellement où vous faites le point, où vous analysez une situation. On nous parle peut-être d'un voyage, d'un déménagement, mais ça peut être aussi une transition importante dans votre relation. On nous indique aussi que vous allez vous libérer de certaines souffrances qui pouvaient être présentes à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a une fin de cycle qui se met en place. La reine d'épée nous parle de maturité, nous parle aussi de décisions importantes qui vont vous permettre d'avancer. C'est aussi le fait d'y voir plus clair, c'est le fait aussi d'avoir des visions sur tout ce qui se présente à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Donc, je vais reprendre les cartes et on va voir les messages de nos chers breloques. Hop, alors. «
Alors ici, on a eu le renard, on a la guitare, on a l'ours et on a les deux cygnes. Donc ici, ça peut nous parler d'une passion au niveau professionnel, ça peut être une activité qui vous tient à cœur. Mais on voit aussi de nouvelles idées, on voit aussi beaucoup d'inspiration dans votre vie professionnelle. On a aussi une rentrée d'argent qui arrive et on nous parle d'une réconciliation avec une personne. On peut nous parler aussi d'un lien avec une personne qui est très protectrice, qui a une présence importante pour vous. Au niveau de votre foyer ici, on a une personne plus jeune que vous, ça peut être un enfant, un adolescent, en tout cas une personne avec qui peut-être vous vivez actuellement. On a aussi le renard, donc on voit que vous êtes prudent, prudente par rapport à vos projets. Vous prenez le temps nécessaire. Au niveau d'un voyage, on a les deux cœurs, donc ça peut être un déplacement qui va être un déclic important. Peut-être que vous allez faire la paix avec une personne lors d'un déplacement ou vous allez retrouver une personne avec qui il y a eu peut-être certains blocages. Au niveau amical, on a le signe de la balance. Donc ça peut être une amitié avec une personne du signe de la balance, mais ça nous parle aussi d'équilibre important dans votre vie amicale. Au niveau sentimental, on a un changement bénéfique qui va se mettre en place. On nous parle d'une réconciliation, beaucoup de complicité et on a aussi un grand succès dans votre vie amoureuse. Au niveau familial, on nous parle d'une transformation, d'un renouveau et on voit aussi que vous gardez certaines émotions en vous au niveau familial. Au niveau professionnel, on a la lettre K qui ressort. Dans votre vie matérielle, on a le signe du Gémeaux. Donc le signe du Gémeaux va nous parler de communication par rapport à vos finances. Et on voit aussi que vous allez récolter de nouvelles choses. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Au niveau général, on a la licorne. C'est vraiment quelque chose de magique. C'est un événement inattendu qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va avoir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune ou le quartz rose ou les deux. C'est comme vous le ressentez en vous. Ce sont des pierres que vous pouvez aussi retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos de la vidéo. Donc, on va voir quel est le message pour vous. Alors, pour la pierre de lune et pour le quartz rose. Alors, on va commencer par le message de la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre de clairvoyance. C'est aussi une pierre qui va être très apaisante et qui est reliée aux énergies féminines. Le message pour vous, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit c'est le bon moment, vous pouvez accomplir et réaliser vos rêves. Et on va voir aussi le message pour le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui va renforcer les liens amoureux, mais aussi les liens affectifs. Et c'est une pierre aussi qui est très douce et qui apaise énormément. Le message pour vous, c'est le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc ici, on voit que vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration à l'intérieur de vous, et on vous dit que c'est justement quelque chose qui va se développer de plus en plus et qui fait partie de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous fais plein de gros bisous, une magnifique journée à vous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.